Lundi 5 septembre 2022, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques principales informations qui prennent fait essentiel journal. Espace mobilisation nationale EMNA qui regroupe diverses organisations sociales et partis politiques annoncé poursuite à mobilisation pour forcer Premier ministre Ariel Henry quitter le pouvoir. Dans l'occasion, il y a un directeur EMNA, M. Marc-Antoine Maisonneuve, dénoncé Alliance PHTK, communauté internationale, là, avec une série de politiciens corrompus pour installer Ariel Henry dans la tête de l'État. Association parents élèves d'Haïti a dénoncé jeudi lundi 5 septembre 2022 une série de décisions du ministère de l'Éducation nationale adoptée pour l'année académique 2022-2023. Donc, une décision pour retirer classe 7e, 8e et 9e année fondamentale dans le lycée sans aucune préparation. En prélude à la journée internationale de protection couche ozone, le ministère de l'Environnement a lancé journée lundi 5 septembre 2022. 15e ozone sorti premier pour le 14 septembre à Capvinilla. Dans l'occasion de diverses activités, dans la conférence débat et émission sensibilisation, prévoit organiser pour faire promotion protection couche ozone. Plusieurs dizaines de citoyens haïtiens prennent la riage le lundi 5 septembre 2022 à Port-au-Prince pour dénoncer misère, insécurité et dossier raté gaz là. Ils ont fait connaître qu'ils dirigent trop dans le pays d'Haïti. Manifestants sérieux qui ont lancé une série de paroles piment bouc contre chef gouvernement avec une série de politiciens corrompus. Ils ont dit qu'ils ont utilisé la bataille peuple dans l'intérêt personnel. Ils ont déclaré qu'ils ont continué à mobiliser pour forcer chef gouvernement à prendre responsabilité pour descendre pour produits premiers nécessités dans l'idée pour combattre grand goût avec la misère qui n'a pas fini avec peuple haïtien. Radio Télé Claire, t'es sous place, en suivre. Peuple a pêché au dormi, il a pêché peuple a mangé, peuple a pêché au fait l'autre bagaille là. Si groupe moun sa yo qui déjà des richesses pays a yo accaparé, yo continue à faire complot à l'état, yo tout font gaz à monter, tout autant gaz à pas monter, c'est le gars au bout de bon, et le peuple a pour responsabilité, mais responsabilité n'a pas, qui veut dire, n'importe qui, on va faire des résultats. Cela n'est tout passé la maison. Elle n'est pas quand même fini. Yo kidnappé que n'importe 8 proches moins. Yo kidnappé 8 proches moins. Bientôt c'est pas moins. Autre fois garder une famille des enclos. Trois jeunes filles femmes yo kidnappé. Il y a un seul qui sort dans la rue Port-au-Prince. Dis donc, c'est tout ça qui motive qui va me prendre la réaction aujourd'hui. Non seulement pour me rapatrier souveraine de la liberté, mais même dans la ligne comme groupe OE Abini. Je prends la réaction à tout. Pour nous camper face à l'économie sanguinaire ça que la bourgeoisie avec l'État mette sous la vime. Qui donc m'a marché. Regroupement opposition populaire haïtien lancé un appel jeudi lundi 5 septembre 2022 à la population haïtienne pour inviter le lever camper pour prendre destin à avenir en main suite à différentes dérives complot fait qu'on est qu'a fait contre société haïtienne là. Membre opposition populaire haïtienne Simpson Samedi, Steve Abraham et Samuel Duclair, qui partagent préoccupations face à la position, ont fait connaître une série de personnalités qui étaient campées avec eux pendant les derniers jours. Ils ont mis au bon côté pour voir en place là. Dirigeants qui pas caché mécontentement pour mauvaise façon, ont fait connaître dirigeants concernés à mener back pays d'Haïti, inviter population à lever campé pour y renverser le gouvernement en place là, et puis combattre insécurité, misère à rater gaz là qui a bouleversé la vie. En suivant après l'autre intervention membre opposition populaire haïtien yo qui était dans micro radio télé éclair et n'a dit population haïtienne non je dis à la destin lamel pour plusieurs raisons parce que non seulement nous mêmes au niveau opposition populaire nous constater que et les mêmes tout le constater que ensemble de monde hier qui était dit population que barricade ça venir yo bloquer pays xy. Mais je dis à yon dans la troisième version PHTK, côté que y a pesé sous ce. Ou pas ouais. Donc, l'éclair,
que la population haïtienne, non. Ou pas un leader. Li clair. Il faut qu'il y ait l'autre classe politique qui vient là, qui pour résoudre le problème socio-économique politique. Dans la population haïtienne, non, tout, est-ce qu'elle pas constaté que la solution est en main liée? Exemple. Semaine dernière, la population haïtienne a mis la tête pour question de dollars. Rapidement, le gouverneur BRH là, monsieur injecté un paquet de millions de dollars pour permettre que le dollar descende. Nous partis en guerre contre les politiciens traditionnels qui mettaient le pays d'Haïti dans sa salle. Le yap fait reste avec blanc manan dans l'ingérence pays. Nous partis en guerre tout contre l'église qui non seulement colonise nous par intermédiaire éducation à Banou, qui décide prendre zam maintenant meti moun nou yo parce que yo même yo pas de jambe remen nous parce que nous te fait l'indépendance. Nous partis en guerre tout contre la communauté internationale qui gagne un plan macabre, un plan de mort pour la population haïtienne. Communauté internationale là nous comprendre tout plan macabre qui a utilisé pour capable rendre pays ça patauger plus dans la boue. Nous pas sans savoir que Matissan jodian yo fait devenu un espace et invivable gen mine en dedans village de Dieu. Et à travers Focal yo te gen une vision pour yo te rendre que moun pas passer Matissan 23 passer tout dans bain mouté pour moun pas passer là. Parce que là, c'est côté qui a une réserve pays d'Haïti et qui a une mine là-dedans. Nous passons savoir quoi des bouquets. Tomaso, nous passons savoir plateau central et nous comprenons, je dis en tout, façon les États-Unis saisissent la Navaz pour nous. Et c'est tout côté nous avons une richesse. Nous avons mené une manigance en utilisant le secteur économique. Là. Avec un paquet de politiciens traditionnels, tête à tête, qui ont rampé sous l'estomac comme serpent, et ils ont utilisé nous au détriment de nous-mêmes. Espace mobilisation nationale qui gagne la donne diverses organisations sociales et partis politiques, tant que Molina a réaffirmé le lundi 5 septembre 2022, engagement yo prend pour bataille contre alliance yo fait connait communauté internationale la PHTK ak yon série politiciens corrompus fait pour installer premier ministre Ariel Henry dans tête pays a pour jouer tout privilège sous deux pays d'Haïti. Yon nan membre directeur espace mobilisation nationale la Maître Marc-Antoine Maisonneuve qui dénonçait position ak décision li di yon série personnalité te prend pour te al négocier ak chef gouvernement li di ki pa gen légitimité. Toutefois, li bat bravo pour tout autre acteur politique li souligne qui décide de rejoindre pour continuer le mouvement mobilisation qui a pris pied sur tout territoire national là pour empêcher le gouvernement en place là continuer piller caisse l'État. Dans ce sens, M. Marc-Antoine Maisonneuve fait qu'on est mobilisation de continuer pour joindre une solution dans la crise qui a tracassé le pays d'Haïti. M. Marc-Antoine Maisonneuve, c'est membre directoire EMNA qui était dans le micro radio Télééclair. Nous-mêmes, en dans EMNA, l'espace de mobilisation nationale, Molina, mouvement pour la libération nationale, nous t'aimons rappeler, nous t'aimons souligner pour attention population que ces structures, et Molina, EMNA et autres, se sont impliquées dans cette grande mobilisation depuis le 20 juillet 2021. Date à laquelle la communauté internationale, le corps groupe, l'ambassade pays qui est Pirichio et PHTK prend mouché Ariel Henry, yo flanqué en dans primature là pour te vin fini avec le peuple haïtien. Pour te vin bloquer les affaires subvention. Pour te vin prendre des décisions criminelles contre le peuple haïtien et en faveur de l'ambassade des États-Unis, ambassade de la France, ambassade Canada, corps groupe là et l'autre encore. Et que je ne dis à là, nous avons un gros contentement. Lequel? C'est le fait par lequel en pile association, en pile organisation, en pile parti politique
ont compris la nécessité de venir nous rejoindre dans cette grande mobilisation. Nous féliciter, nous dire merci. Mais pas qu'à tout pas féliciter et remercier quelques signataires de quelques accords qui par la suite pourraient comprendre la nécessité tout pour abandonner tab dialogue là, tab négociation avec Ariel Henry qui t'a passé dans Tintin, avec Ariel Henry qui dépourvu de légitimité. D'ailleurs, le fait par lequel signataire accord ça yo t'es accepté à Chita avec Mouché Ariel Henry, c'est une erreur monumentale qu'ils avaient commise. Pour qui ça? C'est parce que leur Chita avec un monde que l'ambassade des États-Unis coque l'engorge peuple haïtien, leur Chita avec un monde qui pas sorti dans pièce élection, leur Chita avec un monde que quelques institutions, communauté internationale, comme groupe là, coquer l'engorge nous, c'est reconnaître ou dire qu'on reconnaît que yo ka imposé nous dirigeants. C'est reconnaître ou dire reconnaître que c'est yo qui ka attribué le droit pour yo nommer pas bon ici des dirigeants. Mais en dépit de tout, yo vinn arriver ressaisir yo et yo vinn rejoindre nous dans quatre mobilisations, dans quatre batailles là. Nous content et nous féliciter yo. Et n'a pas de tout que bataille là après poursuivre. Commission départementale du secteur démocratique et populaire a lancé un appel en faveur d'un soulèvement populaire pour y décapoter Ariel Henry sous pouvoir. Responsable du secteur démocratique populaire, Télon Rémi Luce, et Fernando Duclerc, qui continue de dénoncer le mode gouvernance Ariel Henry, y a dit qu'il n'a pas décidé d'appliquer l'accord en septembre passé, qui a donné ensemble revendication population haïtienne, là, fait quoi y a supporté toute manifestation qu'a organisée pour demander départ Ariel Henry sous pouvoir. Télon Rémi Luce, et Fernando Duclerc, Télamico Radio Télé-Éclair. Nul n'est sans savoir que l'accord a été signé. Un accord politique a été signé avec le PM de facto Ariel Henry. Nous disons de facto parce qu'il n'a pas été émané du Parlement. Dans tout pays, quand il y a une crise politique, côté constitution pays a tombé en veilleuse. C'est toujours un accord politique qui débloque le pays. Parce que je veux dire, quel que soit mon nom qui prend un pays, l'a obligé de facto parce que la constitution du pays est en veilleuse pour ne pas dire pas exister. Malheureusement, le document qui définit cet accord n'a pas été appliqué par Ariel Henry. Or, un accord politique, le rôle primordial de l'accord politique, c'est de prendre en compte les besoins sociopolitiques immédiats des populations. Ça ne dit pas seulement pour Haïti, mais pour tout pays. Depuis l'accord politique là, pas prendre en compte besoins sociaux, besoins politiques, population à quoi échouer. Commencer avec un texte biblique. Ésaïe 29, verset 1er. Il dit malheur à toi, Ariel, Ariel. Nous commentons. Je vais commenter ça. Le secteur démocratique là, il est frustré, il est indigné. Nous fâchons. Les nouveaux comportements de la police. Nous voyons comment la police comporte envers des manifestants. Des gens qui ont manifesté pacifiquement. Qui ont dit au gangou. Qui ont dit au besoin de l'argent. Qui ont dit au besoin de gaz. Qui ont dit au besoin de sécurité. Nous voyons la police utiliser gaz. Utiliser balles réelles. Balles caoutchouc contre nous. Et le secteur démocratique là, nous clair. Nous dit que le DG de la police nationale d'Haïti faut prendre responsabilité. Si la police a tout nous connaît, tout le monde connaît, il faut le dire nous, dit, nous tout. Et tout le monde qui l'a connaît comment tout le monde connaît, fini en deux pays.
une membre de la commission départementale du secteur démocratique populaire, Didier Benel, fait qu'on est depuis plusieurs années l'État pays d'Haïti qui a un pouvoir qui prend en otage par une moralité, autorité et confiance population pour permettre pays d'Haïti sortir dans l'impasse à l'y trouver là. Selon Didier Benel, la population nous prend la rue pour déchouquer le pouvoir ou ça au sous pouvoir pour condition la vie qu'a changé. Didier Benel, dans le micro radio, déjà éclair. Mais depuis 2011, en dans le pays d'Haïti, gon pichon qui tombe sous le pays. Depuis lors, tout valait ça. Yo tout disparaît. Et jodi al vin pi mal. Parce que jodi an ou joine, au lieu que nous rentrer dans la démocratie depuis après 86, et bien depuis 2011, an, tout nous rentrons dans sa nouvelle voyoucratie. Côté que c'est des voyous, c'est des délinquants qui cap diriger pays ça. Jodian, même gens en pile l'autre organisation de base, organisation sociopolitique, organisation Petro Challenger, organisation dans société civile là, mandé des citoyens cap vivant dans le pays d'Haïti. Pour descendre dans la rue, pour investir la rue. L'on investit la rue aujourd'hui, on investit la rue pour défendre le droit. On investit la rue pour être capable de prendre le destin en main. On investit la rue parce que c'est celle-même qui est capable de retirer tête ou côté lié. L'autre information dans le journal là, en prélude à la journée internationale protection couche ozone là, qui a célébré 16 septembre qui a venu là, ministère environnement lancé journée lundi 5 septembre 2022 là, quinzaine ozone là sorti premier pour arriver 14 septembre qui a venu là, côté diverses activités tant que conférence débat et émission sensibilisation a organisé pour sensibiliser population haïtienne là sur importance pour protéger couche ozone là. Dans discours circonstance li coordonnatrice bureau national ozone là Marie-Loude Mora souligne importance protocole Montréal là pays d'Haïti signé depuis l'année 2000 dans bataille communauté internationale là contre substance qui a détruit couche ozone là. Marie-Loude Mora qui fait quoi Haïti compte respecter engagement dans protection couche ozone là déclaré depuis l'année passée pays a consacré des semaines pour faire promotion couche ozone à bon côté population. Coordonnatrice bio-nationale ozone là Marie-Loude Mora, Dynamico Radio Télé Éclair. Au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses amendements depuis mars 2000. Cet accord international, né à la suite de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, a été adoptée en 1987. Elle est devenue, depuis 2009, un instrument d'application universelle. Le protocole de Montréal s'est révélé un outil efficace qui permet à la communauté internationale d'éliminer environ 99% des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Mesdames, Messieurs, la résolution 40-114 des Nations Unies de décembre 1994 a proclamé le 16 septembre, date anniversaire du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, journée internationale de la couche pour la protection de la couche d'ozone. Chaque pays parti a le devoir de célébrer cette journée. Haïti a toujours fait de son mieux via son instance de mise en œuvre, le ministère de l'Environnement, pour célébrer cette journée et être en conformité avec cette exigence. Sous-bopal directeur général du ministère environnement Astrel Joseph,
présenté Journée internationale protection couche ozone là comme une occasion pour ensemble pays signataire protocole Montréal yo mette en valeur couche ozone là qui permet à gagner la vie sous planète Terre. Astrel Joseph qui fait qu'on est pays d'Haïti conformé à exigence protocole Montréal là souligne nécessité pour sensibiliser population hein, pour adopter un comportement qui a protégé couche ozone là. Directeur général ministère environnement Astrel Joseph de Namico Radio Télé Éclair. Le 16 septembre a été proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies Journée internationale de la protection de la couche d'ozone en vertu de la résolution 114 de décembre 1994 en mémoire de la date de l'adoption de cet accord le 16 septembre 1987 célébré et un devoir qui incombe à tous les pays partis au protocole de Montréal de se mettre au pas pour, en quelque sorte, marquer cette journée mondiale de la couche d'ozone prévue pour le 16 septembre prochain. C'est une occasion spéciale où les partis mettent la couche d'ozone en exergue et en lumière devant toutes les nations. Haïti a ratifié le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone depuis mars 2000. Le ministère de l'Environnement est l'instance de mise en œuvre de cet accord international de grande envergure. Le ministère de l'Environnement exerce aussi cette attribution à travers et surtout le Bureau national de l'ozone. Éclair info a continué pour nous dire association parents élèves d'Haïti yo dénoncé jeudi lundi 5 septembre 2022 a série dérive ak erreur yo fait qu'on est ministère éducation nationale ak formation professionnelle là a fait à travers différentes décisions y a prendre un système éducatif haïtien pour l'année académique 2022-2023 porte-parole association parents élèves d'Haïti yo fait venir confident qui pas caché désaccord ak ensemble l'idée ministère éducation adopté pour retirer 7e, 8e et 9e année fondamentale dans le lycée, alors que pas aucune disposition qui prend pour permettre l'école nationale accueillir élèves, selon Fédéral Confident qui prononçait tout sous élimination examen, session extraordinaire pour élèves baccalauréat, une décision qui est capable de décourager élèves et puis dérouter sous l'école. Dans ce sens, Fédéral Confident fait diverses recommandations à ministre Simaniga et puis conseiller ressaisir pour prendre bon Jean Mézi dans tête collée avec enseignants pour renforcer système éducatif haïtien. Fédéral Confident, c'est porte-parole association parents élèves d'Haïti yo qui était dans micro radio télé éclair. Premier dérive nous qui mérite dénoncer dans niveau aspayet, c'est par exemple décision pour éliminer classe 7e, 8e et 9e année dans lycée yo. C'est dans l'école nationale ti moun sa yo a gagné pour yo aller inscrit. Son décision nous penser qui fait tort avec plusieurs parents et plusieurs timoun dans la République, là, particulièrement dans la zone métropolitaine. Non, comme son décision ministre a dit, c'est dans la zone métropolitaine, dans l'Ouest, li, à peine prendre. Il y a plusieurs autres départements côté, notamment il y a des appliqués. Mais ce qui fait nous-mêmes nous dénoncer la décision à un niveau aspect, c'est parce que lycée, yo, yo te gen capacité pour gagner plusieurs 7e, plusieurs 8e, plusieurs 9e, alors que l'école nationale yo pas vraiment gen infrastructure, pas vraiment gen salle de classe nécessaire qui pour gagner quantité ti moun qui te konnal nan lycée yo. Nous estimer décision ça la mette de yo plusieurs ti moun anisa qui pas ka aller l'école. Par exemple, nous même nan niveau aspaed nous croyons ministère la bat pour l'appliquer décision mais cependant il t'a qu'à faire de manière graduelle. Li t'a qu'à enquêter sur l'école qui gagne condition ou bien qui gagne une salle de classe nécessaire pour faire li et puis il fait. Mais l'école qui pas gagne condition pour ça, elle pas t'a faire li. Nous estimer décision ça pour le faire toi avec parents qui déjà pas gain moyen avec nos situation difficile côté là l'école là monter tête nèg nous quoi faut que ministère là ta capable ressaisir sur question ça pour prendre décision ça c'est vrai mais cependant l'école qui pas gain moyen pour ça yo il ta toujours souhaiter ti moun ça aller dans lycée dans zone métropolitaine.
Fondation Mario Weger distribuye week-end passé à un parc Sainte-Thérèse qui était scolaire et alimentaire par environ 300 timoun ak parents. Une activité qui entre dans le programme Fondation chaque année pour aider parents et timoun yo qui pas capable yo préparer entre l'école yo. C'est le fondateur Fondation Mario Weger qui pas caché satisfaction pour mouvement ça. Il fait connaître une mission fondation et puis annoncer perspective à plein lidi yo gagné pour supporter et renforcer système éducatif haïtien pendant les annoncer construction en avant longtemps. Il en série l'école avec formation pour professeur yo pour plus bien encadrer timoun yo. En suivant l'intervention fondateur Fondation Mario Weger, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous avons décidé de faire événement ça. C'est dans le cadre de l'activité que nous habitués à faire chaque année. Et activité qui est similaire pour rentrer des classes. Bon, bien entendu, et premièrement, ça a remonté des années. Côté que moi-même avec madame, moi, nous avons passé un côté et puis nous rencontrer une maman avec un petit monde. Et puis petit monde a crié et puis nous camper machine là pour nous demander qui ça le gagne qui fait la crier. C'est parce que les gagne 2-3 amis qui à l'école lui même lui veut parler l'école. Nous dit qui ça fait parler l'école. Maman dit papa le mouri, nous gagne 3 petites. Nous pas qu'à faire rien. Ça a touché nous. Donc nous te prenons Timoun, nous gérer avec parents, nous faisons ça pour nous faire. Timoun, nous balbouze d'études, pas pour une seule année, mais la continuer. Donc depuis le ça, nous sentons nous interpellés pour nous faire ça ou en a fait là. Et ceci, nous croyons que Fouchard Danger, qui se porte-parole fondation, lui te dit très clair que chaque année côté nous y est. Nous t'es au Kay, nous t'es tout partout, nous t'es tout monde, nous t'es dans kiosque oxygenti, etc. Donc nous considérons ça comme un give back. Ça veut dire pays à ban nous mêmes c'est ça nous ka bay pays à, donc n'a bay pays à. Mon cher, ça nous pas connait non, mais nous pensons et là nous mourir n'a camper, mais nous pas aller plus loin que ça. Après ça où est là, donc nous mêmes nous avons commencé avec la construction de l'école aide. Mais aujourd'hui, nous prenons le travail pour nous construire l'école pour nous. Et pour nous, où est-ce que nous avons mettre tout pour nous former. Parce que dire que l'éducation, ce n'est pas banc, ce n'est pas chaise, ce n'est pas seulement et valise ou bien outil. Mais c'est connaissance tout. Ça veut dire aujourd'hui, nous croyons que nous avons une absence de ça, nous avons un manque. Parce que les professeurs ont un mouille. Il y a l'autre qui parti et je dis à un pile l'autre de un élève qui fait philo qui fait reto ça l'a dégagé ça l'a dit ça l'a dérangé. Donc pour ce faire nous prenons le travail dans sens ça non seulement pour nous essayer de construire l'école pour yo mais pour nous former mettre tout pour yo. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour ce semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Espace Mobilisation Nationale EMNA, qui regroupe diverses organisations sociales et partis politiques, annoncé poursuite de mobilisation pour forcer le Premier ministre Ariel Henry quitter le pouvoir. Dans l'occasion, il y a un directeur EMNA, M. Marc-Antoine, dans la maison neuve, dénoncé Alliance PHTK, communauté internationale, là, avec une série de politiciens corrompus pour installer Ariel Henry dans la tête de l'État. Association parents élèves d'Haïti a dénoncé le lundi 5 septembre 2022, une série de décisions du ministère de l'Éducation nationale adoptée pour l'année académique 2022-2023. Tant que décision pour retirer classe 7e, 8e et 9e l'année fondamentale dans le lycée, sans aucune préparation. En prélude à la journée internationale protection couche ozone, le ministère de l'Environnement a lancé le lundi 5 septembre 2022. 15e ozone a sorti premier pour le 14 septembre 2022. Dans l'occasion de diverses activités, tant que conférence débat et émission sensibilisation, prévoit organiser pour faire promotion protection couche ozone. C'est point ça yo. À diverses lots qui t'ai fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'ai accordé à ta journal là. De t'ai branché pour es programmation télévision. Bonsoir tout le monde.